Karl Faubert est un fouilleur professionnel. C'est dire que depuis son retour de Corée, où il a servi sous les drapeaux, il exerce à titre de détective privé à Montréal. William Hamilton, un riche industriel, l'avait contacté en lien avec une banale affaire de vandalisme. Pas de quoi fouetter un âne. Pas de quoi non plus payer un détective privé pour traverser des heures de mauvaise route. Mais c'est toujours pareil. Le client paye, Karl exécute. Ils avaient rendez-vous au magasin général. Ça appartenait à son client. En fait, tout le village appartenait à William Hamilton. Quand la route est mauvaise, boueuse ou enneigée, c'est la coutume dans ce coin de pays d'en restreindre l'accès. C'était aussi la coutume de ne pas trop y prendre garde et de passer quand même. Le magasin où Karl devait rencontrer Hamilton se trouvait non loin de ce lac. C'était la bonne direction. Karl attendait depuis un moment qu'un employé surgisse pour relever la barrière. Comme c'était étrange d'ailleurs, une route comme celle-là, ainsi obstruée. Décidément, aucun employé ne se presserait à ouvrir la barrière pour une route qui menait nulle part. Karl devait se débrouiller seul. Hamilton saurait sans doute qui contacter pour que s'ouvre la barrière. Mais ça ne fonctionnait pas. La ligne était dérangée. Le Nord, depuis que l'empereur Duplessis en avait achevé la colonisation, appartenait en tout et pour tout à la province de Québec. Son drapeau bleu y flottait, un peu pour narguer le drapeau rouge du Canada qui n'y avait pas droit de cité, un peu pour montrer les dents aux gens du Labrador, qui avaient volé au Québec un grand morceau de terre quelques années plus tôt. Karl n'aurait jamais cru qu'un jour dans sa vie, il roulerait plus au nord que chez Bougamo.
Carl n'aurait jamais cru qu'un jour dans sa vie, il roulerait plus au nord que chez Bougamo. Il fallait maintenant que Carl remplisse son devoir. Hamilton l'attendait au magasin général. William Hamilton jouissait d'une vaste maison de campagne au cœur des forêts du Nord, non loin de là. Les populations locales étaient divisées au sujet de William Hamilton. Certains voyaient en lui un philanthrope fortuné au service de l'économie de la région. D'autres le détestaient jusqu'à manigancer contre lui, ce vieil Anglais riche. Prêt à tout pour gonfler son industrie. Carl, en bon militaire, avait à cœur d'être ponctuel. Pas question de se mettre en retard pour son rendez-vous avec Hamilton. Dernièrement, William Hamilton s'était porté acquéreur de divers commerces locaux et avait mis en branle la réouverture d'une mine. Éveillant hurlements de colère et menaces dont la population crie. Pour ce qu'on savait, Carl, plusieurs personnes avaient de grands motifs de s'en prendre à William Hamilton. Jusqu'ici, on n'avait attaqué que sa maison, mais bientôt, pensait Carl, on s'en prendrait aux riches industriels. Carl devait sortir de là. Le froid et la douleur appelaient des soins de toute urgence. Le chauffeur avait déguerpi. Il fallait tout de même fouiller, ne rien laisser au hasard. Carl avait besoin d'assistance. C'était une petite boîte verrouillée sur laquelle se lisait, gravé finement, WH. Carl songea à la prendre. Il ne fallait rien laisser au hasard. Avec ce froid, Carl sentait déjà plus ses orteils. Voilà un beau désespoir fait de poésie nordique. Mais Carl n'était pas très sensible aux phrases pleines de guirlandes. En pleine campagne,
Il restait à espérer qu'un garage abandonné ou une fermette borde la route. Sa survie en dépendait. Voilà mieux qu'il ne pouvait l'espérer. Karl Faubert s'en sortirait une nouvelle fois. En route, pour de plus grandes aventures. Karl, comme plusieurs de ses contemporains, avait l'impression de moins respirer lorsqu'il fumait pas. La cigarette, c'était pour lui comme de l'air, mais en mieux. Étendu sur quelques hectares de forêts vierges, de caribous bramants, de neige éternelle et de lacs inviolés, la région de Manastan n'était pas faite pour les touristes. Elle abritait depuis des millénaires, disait-on, des populations cries et depuis l'ère industrielle, des mines de métaux. Par bonheur, le magasin n'était plus très loin. Karl commençait à craindre la panne d'essence.
Carl n'eut aucun mal à reconnaître son employeur. Il avait été assassiné. Il ne fallait pas être détective pour le constater. Mais il fallait être détective pour noter que le tueur se tenait tout près, que le coup avait été porté sans que la victime ne se défende. Que devait contenir cette enveloppe? Carl était interloqué. Il reconnaissait l'adresse. C'était là, disait-on, que le service secret du Canada avait sa boîte postale. Carl sentit alors un frisson le traverser, une peur effroyable l'envahir. Si Hamilton était mort, qui allait donc payer? Ils ont l'air fiers, ces chasseurs-là, d'avoir tué une bête au beau pelage. Avec des hommes comme ceux-là, se dit Carl, il n'y aurait plus un loup sur le continent d'ici 10 ans. Un beau portrait du magasin au jour de sa naissance. Le magasin La Chance, que ça s'appelait. On sent que ça appartient à une autre époque. Un saut comme celui-là, c'était irréel. Le gars sur la motoneige ferait pas vieux os avec des acrobaties pareilles.
On aurait dit qu'une explosion avait soufflé dehors. Comme le savait Carl, Gilles Lachance tenait le magasin général. Ça faisait de lui un employé de Hamilton. Un employé fort mécontent, comme Carl pouvait en juger. La tempête frappait tout sans distinction. Carl constata sans surprise la ligne hors service. L'arme du crime. Qu'est-ce que ça fait là? Se demanda Carl. Hamilton devait vouloir garder bien secrètement une information pour ainsi poster une clé. Ça ne lui a pas porté chance. Tout s'éclairait. Le pauvre Hamilton avait été interrompu dans sa dénonciation. Il avait cru bon de tout verrouiller, d'envoyer la clé à son correspondant et de mettre la boîte à la poste plus tard. Habile. Mais pas assez. Voilà où s'amènent les gens ordinaires de jouer aux espions. Habitué à surprendre les époux de clientes en flagrant délit d'adultère, le Polaroid était depuis longtemps le fidèle allié de Carl. Il a toujours un portrait à croquer de toute manière. Dans la place. Tout le monde dans le village ne se portait pas dans son cœur.
Carl n'était pas électricien, mais il savait reconnaître un problème de filage quand ils en voyaient. Carl était habitué aux choses étranges. Mais une glace comme ça, comme un iceberg sorti du sol, il n'en avait jamais vu avant. Des empreintes? Carl avançait de surprise en surprise. Était-ce un défaut de l'appareil ou une piste à suivre? Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Carl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça, s'étonna Carl. Ça ressemblait à un homme fossilisé dans la glace. Soudain, ce fut comme si Carl s'évanouissait dans un monde de rêve. Il se sentait sombrer dans une dimension froide où tout échappait à son contrôle. On aurait dit un journal de chasse, de véritables notes de guerre. Quoi rimaient donc ces chiffres gravés dans le métal? Une nouvelle piste s'ouvrait soudainement devant Carl. Carl eut cette impression qu'on a lorsque les mains gelées ont les plonges sous l'eau chaude. Que s'était-il passé? Un fait demeurait. Il savait maintenant que le pauvre homme tétanisé dans la glace était le tenancier du magasin général, Gilles Lachance. Il fallait avoir quelque chose d'urgent à faire pour laisser son camion comme ça au travers de la route. Thank you.
Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Carl, en beau détective, traînait toujours sur lui son journal. C'est là qu'il notait les pensées et les pistes qui ponctuaient ses enquêtes. Carl ne tiendrait pas plus longtemps. Le froid le cuisait. Il fallait qu'il se réchauffe. On gelait. Le froid prenait directement dans la moelle. La glace, une nouvelle fois, s'était abattue. La femme semblait figée là, pour l'éternité. Ah, les aléas du déménagement. Vous trouvez le tourne-disque, mais les disques, eux, dorment encore quelque part dans une boîte. Les lieux semblaient en transition, c'est-à-dire dans le plus profond désordre, presque inhabitable. Un vrai chantier. Carl ressentit un picotement de froid dans son dos. Une autre vision l'envahissait. Quelque chose se cachait sous l'escalier. L'homme attrapait sa carabine. Carl ressentait sa peur. Peut-être que le couple était en froid.
avait beaucoup de cachotteries dans cette maison. Carl sentit le froid reculer et revint à la réalité, où Gisèle n'était plus cette femme qui vaquait dans sa demeure, mais plutôt, comme son mari Gilles, un gros bloc de glace. Personne ne viendrait plus remplir les trous de ce casse-tête. Rien n'était cuit. Le pot était froid. On aurait dit que la pauvre Gisèle moutonnait un repas avant de geler. Il n'y aura personne pour manger ce ragoût-là. Ce modèle-là de coffre-fort, Carl le connaissait. Avec son double système de lettres et de chiffres, il fallait être un redoutable cambrioleur pour en casser le code. Un bon coup de blanc redonnerait à la pièce sa jeunesse des premiers printemps. La croix veillait à la bonne tenue du mariage et au respect des sermons du prêtre, qui appelait à la multiplication des ouailles, mais qui mettait en garde contre les plaisirs coupables. Les lâchances appartenaient encore à cette génération qui craignait le courroux de Dieu.
beau portrait de Gilles et Gisèle, retenu par les chaînes de l'amour conventionnel. Carl n'avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détective pour deviner que les Lachance venaient à peine d'emménager. Les boîtes fraîchement débarquées en témoignaient. Un bon coup de blanc redonnerait à la pièce sa jeunesse des premiers printemps. Carl n'avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détective pour deviner que les Lachance venaient à peine d'emménager. Les boîtes fraîchement débarquées en témoignaient. Carl ne put s'empêcher, en apercevant le carreau d'arbalète planté dans les marches de bois, de songer aux traits légendaires qui devaient frapper le talon d'Achille. Mais qui était l'Achille visé cette fois-ci? Thank you.
Avant de prendre la route, Carl devait penser à remplir son réservoir. Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Une chaufferette sans électricité, c'est comme un poêle sans bois. Voir le registre, on dirait bien que tout le village vivait grâce au crédit du magasin général. Carl vit là plusieurs bonnes gens qu'il voudrait bien visiter. Carl n'était pas électricien, mais il savait reconnaître un problème de filage quand il en voyait un.
Carl sut tout de suite où trouver ce furieux Gilles Lachance. Une bonne enquête devait assurément commencer par là. Une hache. C'était toujours ça de gagné. Carl croyait avoir besoin de protection. C'était une cabane typique, de celles qui peuplent les légendes québécoises. Les bûcherons s'en servaient pour se reposer, et deux fois par jour, c'est là qu'ils réchauffaient la soupe au bois. Qui abandonne une partie d'échecs en si long chemin? Il manquait seulement un déplacement pour signer la victoire.
Quoi ? Je n'avais jamais pensé qu'il danserait avec lui. Les traits d'arbalète avaient la même origine, il n'y avait pas de doute pour Karl. Qui était-ce? Et surtout, que chassait-on ainsi? Cette cabane-là avait pas l'air d'un dortoir. Il lui manquait la cheminée et la chaleur du poêle. Qu'est-ce que c'était? Difficile à dire.
Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Carl concevait de plus en plus que ce ne pouvait être une chasse normale. Le gibier qu'on traquait à l'arbalète était féroce, car jamais le tireur ne semblait s'en approcher. Qu'était-ce donc ? Une vraie grotte, cette cabane-là, pensa Carl. Il faisait beaucoup trop noir. Fallait faire attention pour pas se cogner sur les meubles. Carl tiendrait pas plus longtemps. Le froid le cuisait. Il fallait qu'il se réchauffe. Tout pour un encas bien mérité. On dirait qu'on n'avait pas quitté l'endroit depuis longtemps, mais sans trop savoir pourquoi,
Carl avait l'impression qu'on n'y reviendrait pas de sitôt. La patience. Le jeu de cartes pour joueurs solitaires. Ça semblait bien triste comme activité. La patience. Le jeu de cartes pour joueurs solitaires. Ça semblait bien triste comme activité. Oh.